Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver. On démarre la deuxième saison d'Irek Hervé Vos Montagnes. Alors aujourd'hui, super beau temps. On est mi-janvier, il a fallu attendre un petit peu de neige quand même pour pouvoir à nouveau découvrir les petites et moyennes stations. Donc aujourd'hui, on va pas très très loin, juste de l'autre côté de la vallée. Allez, viens avec moi, on y va. C'est parti! Cette super station de Saint-Colomban-les-Villars, et on a tapé plus de 1000 mètres de dénivelé là d'un coup. C'est génial. On va descendre tout bas de la station. Ça fait à peu près 1125 mètres de dénivelé depuis le haut, 2 mètres de Saint-Colomban. Ouais, ce qui est vraiment cool sur Saint-Col, c'est que à la fois le haut, il y a des espaces ferrailles de ouf. Et dès que la vallée se resserre, on a des pistes pour se promener dans un border cross géant. Moi, je vais faire une petite pause café et un spot. Bah salut Cindy, salut Roman. Bonjour. Nouveau repreneur de l'auberge du coin à Saint-Colomban. Ça se présente bien cette saison, hein? Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air cool, hein. Ah, le spot il est magique et je crois qu'à l'intérieur c'est pas mal non plus. Tu me montres un petit peu? Allez, c'est parti. On va se réchauffer à l'intérieur. Je continue la descente sur la station. Alors là, la neige est un petit peu plus dure, hein. Il y a pas mal de canons. On descend progressivement à 1100 mètres là, au niveau du village. Là, on voit la vallée.
je suis Valentin, je suis moniteur à l'ESF de Saint-Florent-en-Lévillard. Donc ici, on a commencé la saison un petit peu tard parce qu'il y avait un petit manque de neige. Aujourd'hui, il y a à peu près de partout. Donc là, ici, on a le front de neige, on a les pistes qui partent là-haut avec deux télésièges. Voilà. Et là, on a une petite idée du domaine des Cibelles. Et nous, Saint-Col, ce qui nous intéresse, c'est la partie là. C'est là Saint-Colomban. Alors là, je suis en bas de la station, au snack, chez Capucine et Chloé. Un petit snack bien sympa. Salut à vous! Ça sent bon, hein? Trois Auvergnats avec une table bien bien garnie, avec un bon saucisson d'Auvergne. Bon alors vous venez du Corbier, hein? Bon, ça vous a plu la descente sur Saint-Colomban? C'est long, hein? Ouais, vous êtes arrêté au milieu pour refaire les provisions parce que c'est... Il s'arrête jamais. Bon, vous restez là combien de temps? 3 jours. 3 jours. On est venu pour voir un peu les chiens de traîneau demain aussi. Ok, la grande odyssée. Qui passe au Corbier. Ok. Vous voulez voir un petit peu. Bon, mais en tout cas, bon séjour, régalez-vous, merci. Bon appétit. Hein. Merci. Au départ du téléski d'Épinette, avec Sébastien. Voilà, en train d'aider à ce qu'il va prendre sa perche. Là, on voit une belle piste, c'est un peu limite en neige, on est début de saison, c'est normal. Là, ils ont fait tourner les canons un peu ce matin. Ça fait une jolie descente sur Saint-Colomban, des pistes quand même assez techniques et noyées dans les sapins, c'est vraiment magnifique. Et puis comme d'hab, hein, les gens ils sont vraiment super cool. Donc bah, cette vallée des Villards là qu'on voit qui descend jusqu'à la chambre. Et de l'autre côté, la vallée qui remonte mène à la station de Saint-François-Longchamp, le col de la Madeleine, Saint-François qui est relié à Valmorel. Avec derrière dans les nuages on voit le Mont Blanc. Allez, je suis au sommet du premier télésiège, on continue la montée. Salut Manu. Salut. Alors toi tu es en poste ici, Saint-Colomban. Vous êtes combien? Eh ben, on est 7 pisteurs et ouais. On est 5 pisteurs à travailler par jour. Ok, d'accord. Et ça va, pas trop de secours? Non, sur Saint-Col, on n'a pas de secours. Ouais, les gens sont prudents. Voilà, c'est ça. Du coup, les gens, souvent, limitent leur vitesse et on arrive à conserver un domaine sans trop de secours. On fait plus de déclenchements artificiels d'avalanche que de secours. Ok, petite séquence nostalgie là au départ du téléski de l'Ormet. Désormais arrêté là depuis 5 ans, il va être démonté. C'était des skis, il desservait une très belle piste rouge, une piste noire aussi. Alors c'est devenu un itinéraire freeride rando. Et du coup, bah, Manu et Service des Pistes, ils ont récupéré le cabanon pour eux. Voilà. Je rejoins le deuxième télésiège de la montée. Les sièges qui a une petite particularité, on va en parler quand on sera en bas. Là, je descends entre les arbres, bien tranquille. Alors Grégory, tu veux me parler un peu des particularités de ce télésiège ?
Ouais, c'est un GDC. Bah, déjà, c'est un des plus raides d'Europe. Donc, et au niveau du chargement, bah, en fait, il y a 9 sièges qui restent fermés et 12 ouverts. C'est par rapport aux évacuations, faire des tronçons de sauveteur. Donc voilà. Et on va le voir dans la montée, effectivement. De face, on a l'impression qu'on peut sauter, puis quand on se retourne, on prend il y a peur. Du gaz. Hein, ouais. Et ben allez, je vais l'emprunter. Je vais suivre les amis auvergnats que j'ai vus au snack tout à l'heure. Bon, Grégory, je te remercie. Merci à toi. T'es parti pour une bonne ascension bien verticale. Allez, je vous monte un peu la pente. Une idée. C'est quand même bien raide. Bien à l'abri dans la cabane à l'arrivée du télésiège, Charmette. Ah ouais, effectivement, le mauvais temps arrive. Donc. Tu travailles ici l'hiver? Ouais, depuis, c'est la première saison. Là. Première saison, t'as bossé aux bottières, tu m'as dit? Ouais, j'ai fait quelques années aux bottières. Ouais. L'été, t'es berger? Ouais, bah, juste de l'autre côté de la crête, là-bas, viens me voir. Tu suis la piste et puis dès que t'arrives à un bout de chalet à côté des téléskis, tu vois. C'est toi. Bon, bah, c'est cool. Merci. C'est toi, la nuit. Eh bah, avec plaisir. Ça y est, je repars de... T'arrives du télésiège là. Je vais rejoindre le téléski. Donc on peut se prendre toutes ces faces. Ces petits replis là, super cool, et on finit toujours en bas pour rejoindre tout le temps le téléski. Je vais prendre le téléski, il est 2h30, je vais rentrer tout doucement. Je vais dire au revoir à Geoffrey. Avec ce forfait, on peut accéder à beaucoup d'autres domaines que proprement dit Saint-Colomban. Et surtout au niveau des freerides, ça ouvre pas mal de possibilités. On peut aller direction le Corbier si on veut rider sur le parc. Et on peut aller côté la Toussuire si on veut faire le border. J'espère que cette découverte de Saint-Colomban vous aura plu, vous aura donné envie de la découvrir aussi. À la fois station freeride, à la fois station familiale, avec des pistes techniques et aussi des pistes faciles. Il y en a pour tout le monde, les prix sont quand même très abordables et les gens sont vraiment sympas. Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai partagé des bons moments de vie avec eux. Vraiment toujours sympa, merci à vous.
bientôt.